Un des organisateurs de ce projet, on a formé une association qui s'appelle Recyclette et ça fait plusieurs années que nous réalisons des activités dans le cadre de la semaine de la mobilité. Et pour faire cela, on s'est rendu compte que un des supports intéressants, c'était justement la photo. C'est un petit peu comme ça qu'on a lancé le projet. On s'est dit, on va faire des photos sur la ville en mouvement et plutôt que de faire ça dans une salle d'exposition, on va se réapproprier la rue comme espèce d'énorme zone d'exposition. Mais aussi qui, finalement, redonnait à la rue une fonction sociale et culturelle pour montrer que la rue n'était pas justement qu'un axe à voiture, mais que la rue devait aussi être un lieu où les gens pouvaient se sentir bien et où ils pouvaient effectivement se rencontrer, discuter entre eux et voir des choses et pas simplement, finalement, l'axe entre l'endroit où ils travaillent et l'endroit où ils vivent. Ce qui est intéressant, c'est évidemment d'avoir des gens qui vont faire le circuit dans son ensemble, mais ce qu'on avait également envie, c'était d'avoir des gens qui tombaient presque par hasard sur les photos en passant dans la rue, qui voyaient l'une ou l'autre photo, qui trouvaient ça chouette, et puis qui cherchaient d'une maison à l'autre.